Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens voir aujourd'hui avec une vidéo de stamping. C'est un nail art très très fortement inspiré de Yagala. Je ne sais pas si elle avait le même motif exactement, mais c'est un motif similaire. Donc oui, je me suis fortement inspirée de cet artiste-là. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un water marble sur une base blanche. J'ai utilisé 4 vernis lead light que je me suis faite moi-même, ou sheer tint si vous préférez. Donc j'ai utilisé ces 4 vernis là. Ensuite, j'ai rajouté une couche de mes paillettes Paris Memory numéro 732. Ensuite, pour la plaque, je vous montre ça. On va utiliser la plaque Born Pretty Star numéro 11. Et on va prendre ce motif-là ici. J'utilise un racloir rigide. C'est ce qui va le mieux avec ces plaques-là. Pour le vernis stamping, oh, j'ai des poils partout. Oh, pardon. J'ai utilisé le vernis CR noir. Et on y va. On voit rien. Ok. J'utilise mon tampon carré. Et voilà le motif. Et cette fois, au lieu d'étamper comme d'habitude, je vais essayer plutôt de viser le milieu. Pardon, où est-ce que tu es? Ok. Je vais essayer de viser le milieu de l'ongle avec le centre de l'étoile. Et j'appuie bien fort. Et voilà le résultat. Je vais vous le montrer un petit peu plus longtemps. Il n'y a aucun ongle qui est exactement pareil, évidemment, avec les water marble. Donc, ce qui me reste à faire ensuite, c'est à mettre une couche de mon top coat NYC. C'est un séchage rapide, oui. Donc, ce que je fais, c'est que je mets une couche de mon top coat. Je vais nettoyer ce qui a dépassé, bien qu'il n'y ait pas grand-chose ici. Je vous prends des photos que je vais mettre directement sur mon blog. Je vais vous mettre le lien direct vers l'article sous la vidéo, en bas, dans la barre d'infos. Et moi, je vous dis pas bye-bye tout de suite. J'ai oublié de vous dire que pour la boutique Born Pretty Star, j'ai un code promo qui vous permet d'avoir 10% de rabais sur tous les produits à prix régulier. Je vais l'écrire ici dans l'écran et aussi sous la vidéo dans la barre d'infos. Et maintenant, je vous dis bye bye et à la prochaine!